petit débris sur la trajectoire principale. De Roglic. Et c'est Roglic en difficulté, Philippe, le leader, celui qui a dominé la course, crevaison. Une vibration visiblement juste avant cette perte de contrôle. Oui, la drapeau jaune et derrière ça touche aussi. Oh là là là. Écoutez, il était tout seul sur sa trajectoire en train de gérer sa crevaison. Et derrière, eh bien, c'est parti un petit peu en vrille avec Byron. Alors c'est quoi? Byron est arrivé trop vite. Est-ce que lui aussi a eu des problèmes? Attention, ça pourrait jouer entre Truex et Kyle Busch. On les voit d'ailleurs, on est avec Truex. Oh, une voiture! C'est Chastain, le leader, dans le mur. Alors qu'il était en tête. Quel dommage. Crevaison et mur pour Chastain, c'est ce qu'il dit dans sa radio. Eh oui. Attention, drapeau jaune, Ricky Stenhouse, alors qu'il était leader. Le choc avec Cindric, attention derrière aussi. Jones. Cindric était Cervic. Cervic qui vient frapper à petite vitesse. Mais c'est la malédiction des leaders. La malédiction des leaders à la fin du segment. Incroyable. Attention. Attention. Il va essayer. Elmendinger, s'il a l'occasion d'aller sur le bumper, il ira. Attention. Elmendinger là qui commence à mettre la pression, à louvoyer. Attention, il sort large. Attention, c'est juste. Il est passé, loin. Mais c'est pas terminé. Il va y aller, il va pousser. Il va pousser certainement ici. Incroyable, il va y aller. Il va y aller. C'est incroyable. Regardez, entre les deux, ils arrivent à 3 maintenant. Elmendinger qui a pris le meilleur. C'est hallucinant. Mais Bowman qui va aussi s'amuser à pousser. Évidemment. Bowman qui est en train de faire la différence. Chastain, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est Chastain qui va y aller. Chastain qui est passé. Qui s'accroche. Quelle fin de course. Chastain qui est passé. C'est allumé. Attention. Attention parce que s'il a l'occasion, il va essayer de pomper. Dernier tour. Drapeau blanc, attention. C'est maintenant qu'on lâche les chevaux, c'est maintenant qu'on jette tout dans la bagarre, dans la bataille. Il y va peut-être aller au contact. Chase Briscoe qui attaque. Chase Briscoe qui attaque et qui glisse. Non, c'est pas vrai. Les deux hommes qui sont en travers, attention. Au Cody Ware. C'est pas possible. Ils sont retrouvés là. Mais c'est pas possible. Et Kate Bush qui va passer. Kate Bush qui passe. Et Kate Bush qui l'emporte. Oh là 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 là. C'est incroyable. Vous avez vu juste après ce restart, dernier segment. Avec Denny Hamlin donc, qui a pris 3 places de mieux dans les stands, qui se retrouve à l'extérieur. Mais un certain Roche Chastain ne l'entend pas de cette oreille. Derrière eux, Joey Logano. Et Chastain qui est en travers et qui va dans le mur. Attention derrière. L'agressivité de Roche Chastain là, lui a quand même coûté cher. Trop d'agressivité. Trop impatient sur ce restart. La course était encore longue. Aïe, Roche Chastain qui avait gagné à l'instant. Il y a quelques instants, le deuxième segment. Trop agressif. Par lâcher, c'est un faux ami. Là, libéré. Le petit zigzag. J'ai l'impression qu'il a un souci, Kyle Busch. Chastain la percussion. C'est un effet billard. C'est un effet billard avec une crevaison lente de Kyle Busch qui a ralenti. Mais comment Chastain n'a-t-il pas pu le voir? Il n'a pas été prévenu par son spotter. Terrible. Ça aurait pu être encore pire. Elliott qui a été harponné. Elliott essaie d'avoir une trajectoire la plus haute possible, mais il fait ce qu'il peut. Dans l'ordre, crevaison de Kyle Busch qui ralentit et Chastain qui vient s'empaler sur la voiture de Kyle Busch et qui va aussi faire un strike sur la Chevrolet numéro 9 de Elliott. Comment Chastain n'a-t-il pas pu le voir? Coéquipier Roche Chastain a gagné 2 fois cette saison et soirée, ça commence à l'énerver. Et Kyle Busch qui part en travers. Kyle Busch qui part en travers alors qu'il était à la lutte. Alors je ne sais pas si le drapeau jaune est sorti à cause de Kyle Busch qui n'était pas encore en travers. Oui, on l'a vu s'allumer d'abord et les gens sont contents, bien sûr, parce Vous savez, j'allais dire. Attention, il a cramé ses pneus. Dylan, regardez Austin Dillon. Incroyable ce qu'il est en train de faire. Incroyable manœuvre. Chastain à l'extérieur. Et 4 de front. Ça part en crash. Ça part en crash. Logano dans le mur. Dylan dans le mur. C'est le dernier tour. Je crois qu'on était passé sur la ligne. Non, je crois pas. Je crois pas. Les équipes check un peu leurs différentes stratégies. Attention, une voiture au ralenti, c'est le leader. Le leader Chase Briscoe. Certainement une crevaison pour le leader gauche. Chase Briscoe. Et pas de drapeau jaune pour l'instant, ce qui est encore plus grave pour lui. C'est la double punition. Quand on est en tête comme ça et qu'on a une crevaison lente. C'est l'arrière gauche en effet. Combien de fois on a vu ça, Philippe, depuis le début de l'année? Mais plutôt sur les circuits d'un mile et demi, les crevaisons à l'arrière gauche par les leaders.
parti, il reste 19 tours. Oh, le bon départ de la ligne extérieure. Oh, c'est serré là. Top 6 avec Bell et Elliott juste derrière. Chastain, Hamlin à l'intérieur. Ils se touchent, ils se sont touchés. Et il a mis dans le mur. Et le crash. Attention dans le mur, Chastain qui va dans le mur et qui tape le mur intérieur. Est-ce que c'est une surprise? Pas du tout. Et le drapeau jaune qui est sorti. Et attention à Noah Gragson là, qui est là aussi dans la numéro 16. Noah Gragson qui lui mettrait tout le monde d'accord parce que s'il il gagne, il sera pas en place. Le crash encore. Oh là là là, le Big One. Le Big One, le voilà. Quatrième crash de la journée. Et celui-là, c'est un vrai Big One. Avec une. Ah oui, il y avait trop de pression. Il y avait trop de pression. Tout le monde avait envie d'être en tête en cas de drapeau rouge pour Météo. Une petite touchette quand même. Et Truex qui essaye de revenir. Et Riddick, le leader. J'ai l'impression que c'est l'arrière gauche. J'ai l'impression que c'est l'arrière gauche. On va avoir des problèmes de pneus, j'ai l'impression aujourd'hui. Crevaison. Alors c'est la première fois qu'on a une crevaison alors qu'on en avait plus en tout début de saison. Mais pour le leader, depuis la semaine dernière, il y a quand même la chouboule sur les leaders. Hein. Truex qui casse son moteur, Kyle Busch pareil. Et là Riddick qui crève alors qu'il était en tête. Oh là là. Alors Buescher qui rentre alors qu'il était 9e dans le top 10. Et non, c'est l'arrière droit aussi hein, pour Riddick. Waouh. Alors est-ce qu'il a tapé le muret? Non, je pense pas qu'il ait tapé. Ah oh, si, il a tapé quand même. Il a si, bien si. Tapé, ouais. Ah, il a tapé, c'est l'arrière droit qui est parti. Et ensuite, en effet, gros contact, un trio de vitesse contre le mur extérieur. On va voir ça en direct. C'est clair et net, hein. Vous avez entendu ce son incroyable. Évidemment, du coude qui gratte, ce genre de choses. Mais là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Là, on est dans le calcul mathématique. Oh, Christopher Bell en difficulté, encore un leader et drapeau jaune. C'est pas possible. Tous les leaders sont en difficulté. Christopher Bell qui a fait une course admirable, qui a fini deuxième du premier segment, qui a gagné le deuxième segment. Peut-être des résultats. Ouh. Oh, Elliott dans le mur, le leader. Chase Elliott qui était leader. Non mais c'est terrible. C'est comme la semaine dernière, ceux qui sont en tête connaissent attention, des problèmes. Attention. Oh, là, il a pris la priorité. Ah oui, puis début d'incendie là. C'est fini. Je peux vous l'annoncer, c'est terminé pour Chase Elliott alors qu'il était en tête de cette course. Abandon pour Chase Elliott sur ce crash. Et problème de pneus pour lui aussi, crevaison lente. Il est obligé de sortir, et il ne va pas attendre que les officiels viennent. Début d'incendie, ouais. Voilà. Normalement, il n'a pas le droit, mais en cas d'incendie, hein, c'est la jurisprudence Harvick. Il a fait ça aussi il y a 2-3 semaines. Gros alors, incendie pour image. Elliott. Quelle image d'un Chase Elliott à pied là sur la ligne avant, dans le gazon, alors qu'il menait. C'est la malédiction des leaders, visiblement, depuis quelques semaines. Pas la crevaison. Oh peut-être. Alors, peut-être pas une crevaison, peut-être quelque chose qui a cassé, hein, tout simplement. Ça semble bizarre. Oh, le choc latéral. Bon, eh bien, que de rebondissements dans cette course, et pas seulement hein, pour les pilotes de milieu de tableau, mais pour les pilotes play-off, pour les top pilotes, et puis sur tous les leaders, comme ici, cette image au ralenti d'un Elliott qui passe en feu la ligne. Truex sur une saison à oublier pour lui, sauf s'il se met à gagner des courses en fin de saison. C'était mal parti aujourd'hui pour Truex. Oh non ! Oh la crevaison direct pour le leader comme John Chase Elliott tout à l'heure. Harvick dans le mur, c'est incroyable. On l'a vu en direct hein, cette crevaison pour Harvick. Mais non. Oh là c'est là ça devient un vrai problème là. Ouais, mais ils prennent peut-être un peu plus de risques avec des pressions un peu plus basses. Il va bien. C'est ce qu'on vient de lui demander, Ten Four, il a bien entendu et il va bien. Là, ça fait quand même, j'ai jamais vu autant de crevaisons. Même en début de saison, on n'a pas eu ça. Hein. Là, c'est quand même. Plus le fait qu'il n'y a plus les inner liners, vous savez, les pneus intérieurs. Et à double couche. Ouais, à double couche. Voilà, ça a été violent aussi pour Harvick et c'est parti d'un coup, on était en train de le suivre. Ouais, 35 tours avec ses pneus.
Non, parce que ça avait bougé les points. Oh, le crash de Truex. Encore le leader. C'est pas possible, la malédiction. C'est pas possible ce qui se passe avec que des pilotes leaders qui se crashent. Elliott, Harvick et maintenant Truex. Et Hamlin qui est dans les qui est dans le gazon. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous mettez pas en tête. Oh, et c'est fini pour Truex. Roue avant droite cassée. Oh là 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 là, mais c'est incroyable ce qui se passe là. Il va falloir vraiment se pencher sur la question parce que c'est un peu la cata du côté des officiels. Il va falloir résoudre ce problème. Décidément, le Texas n'avait déjà pas très bonne presse. Mais alors là, cette course, c'est un peu la pérésina des pneumatiques. C'est quasiment du jamais vu. On va revoir ce qui s'est passé avec le leader à gauche. Regardez. Bim. Et apparemment, à chaque fois, hein, c'est quand les pneus ont 33, 34, 35 tours, systématiquement, ils crèvent d'un coup, à haute vitesse, ce qui nous a valu un gros crash de Cody Ware tout à l'heure.